Et c'est le monsieur à tous, c'est Fenrir. Mais je vais me prendre un fric de ma femme. J'espère que tout le monde va bien, c'est Fenrir. On est parti pour un nouvel épisode sur Pokémon. Voilà, on est sur votre chaîne de Let's Play favorite, bien sûr. Let's go, on doit foncer au nord. On va attaquer le petit malandrin. On va aller récupérer quand même la position auprès du feu. Entre guillemets, la première grosse partie, en tout cas du scénar, se finit là, avec les deux refuges. On va récupérer comme ça les pupilles, parce que je venais de faire un petit truc là au-dessus. Il y a un problème, j'ai envie de savoir à quel moment il évolue ce connard. Balta. Voilà. Alors, Tritox, est-ce qu'il évolue Tritox? La Tritox n'évolue seulement que s'il est femelle. Oh, c'est con. En malamandre. S'il est femelle, c'est tout. D'accord, donc je me fais chier avec lui depuis le début pour rien, quoi. Tritox, ça dégage. Et Dracloak, je crois que lui, il va passer. Par contre, je crois qu'il évolue pas avant le level 60, un truc comme ça. Ouais, level 60. Et notre petit. Comment s'appelle Umbrellex ? Infect. Il y a quand même des Pokémon qui s'appellent Infect, hein, quand même. Et Tyranocif 55. Et il est 51. Oh, bientôt. Donc lui, il va pouvoir dégager. On peut changer la boîte. Oui, je vous ai dit, un Lycanroc. J'ai deux versions, donc j'ai celui-là, en version loup-garou, entre guillemets, et l'autre version normale. Donc je pense que je vais prendre la version loup-garou. Hein. Ah non, j'ai celui-là, j'avais celui-là. Karchakroc. À mon avis, il peut peut-être nous servir à Karchakroc. Dragon, eau et sol, en cas de. Pour la ligue, peut-être. Il peut être pas mal. Voilà. Let's go. Attaquons la base ennemie. Dominant, fini. Les arènes, il en manque deux. Une. Une arène. Et deux refuges. Et après, c'est Ligue Pokémon et tout le bordel, quoi. Aïe, je me rache la peau. C'est vrai, l'arène psy. Et là, on est donc repère des fées.
C'est Ortiga. Un petit chaos qui fait plaisir. Oh, un gobelin. Donc Lulu vient passer le level 100. Je crois qu'on l'a fait dans la dernière vidéo, je sais pas si on l'a fait à la fin. Chapotus. Canon Garic. Chapotus, tu l'as eu dans le bus. Attention, attention, attention. Une pute a été détectée. Reste la mystère. Métier. Ding dong. Hey, let's do it. Voilà. Péter leur gueule.
poil. Il y a un look, mon con, mais... Mon Dieu. Ah, ce qui est normal, non, peut-être. Pas du tout. Voilà, pas du tout. Putain, mais y'a rien qui l'a fait, s'il te plaît. Bam. Chien, je l'ai pas non plus. Au moins, la taille était stupide à la paye. Thank you.
Éclat magique. Attention, attention, attention. Une pute a été détectée. Elle crie encore, voilà. Ah mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Repère fait, fini.
Une dernière arène après le dernier refuge. Sérieusement, vraiment, ils vont nous faire faire un cours de fitness. Hello Caio, je compte sur toi. On aurait plutôt dit un cours de théâtre plutôt qu'un cours de combat. Hein. Mais qu'est-ce que tu veux, la mioche?
Oui, mais c'est... On va affronter le dernier maître d'arène. Oh la gueule! Ah, je sais pas si c'est gratté de tendance, mais en tout cas, t'as le sale de l'homme. Oh putain! Rien du tout, reste loin. Reste loin de moi.
Et ouais, ça s'est fait. J'aurais pu faire une petite Jojo pause hein, pour le délire. Pour lunaire, la technique est sympa parce que tu avais la lune au-dessus. Esthétiquement, elle est très jolie. Ça me rappelle une technique de Elden Ring. Bon, la ligue, après tout de suite, on fera la prochaine vidéo. Ça mérite une vidéo entière juste pour ça, les ligues. Les techniques lunaires, mais ça n'est pour récupérer les pépites. Il faut que je l'a. Le plus simple, je pense, ça serait littéralement en venir là. Hein. Là et de sauter en planant. Nord-est. Donc nord et est. Hein.
On a fini dominant, donc dominant fini à 100%. Il nous reste aller voir le laboratoire avec Pepper. D'ailleurs, qu'on aura peut-être le temps de faire après le combat. Donc, après, on a l'arène. L'arène est finie, donc il nous reste la ligue. Ah, il y a un coffre. Ah, fait le choix de devant, c'était pas bon signe. Hein. Il s'est traversé par le laser. Ah, d'ailleurs, la gondole c'est bien dehors.
Moi, je me disais que c'était trop beau. Let's go.
Oh la gueule. Je connaissais pas celui-là. Là, ce que j'ai dit là.
Qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit que c'était elle, la Big Boss. Et pour moi, la Big Boss, c'est Panya. C'est la meuf avec le... avec le... c'est que de Bully. Et c'est pour ça qu'elle part pas, qu'elle voit pas la tête. On dirait un mini soldat, c'est horrible. Vu que dans la prochaine vidéo on fera la ligue, le combat contre Cassiopée et le combat contre non et le laboratoire avec Pepper, on va essayer de finir les trois trames scénaristiques une fois. On refera notre team, on remplacera les deux Pokémon là par d'autres Pokémon. Je vais faire, c'est que je vais essayer de finir. Ah, j'ai pas XP. J'ai monté sur un peu quand même. J'ai essayé de finir l'évolution parce que là il reste que deux levels pour Effect. Donc j'ai essayé de finir de le faire évoluer et je sélectionnerai deux autres Pokémon qui pourront entre guillemets nous aider ou pas. C'est vrai que dans cette vidéo on n'a pas fait les trois échanges. Je pense qu'on le fera pas dans la prochaine vidéo pour pas vraiment tracer ce qui nous reste. Donc on fait un petit point de sauvegarde et on se retrouve pour la ligue, le team league, la prochaine vidéo. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine, c'était Fenrir. Ciao les camps. Surtout partagez, likez et oubliez.